Bonjour tout le monde, bienvenue à ce petit tutoriel pour les rencontres Zoom qui sont données le lundi et le mardi soir. Donc, je vous invite à venir sur le site web de l'Église à espoirbc.ca. Donc, après ça, vous arrivez ici sur la page d'accueil. Je vous invite à prendre les onglets ici en haut, de venir dans Média et dans Rencontres Zoom. Donc ici, vous avez toutes les informations pour ces fameuses rencontres. Donc, euh, comme je disais précédemment, euh, rencontre Zoom pour le lundi soir, c'est pour les gens de Bécomo. Pour le mardi, pour les gens de Forestville. Donc, euh, prenons un exemple pour euh, les gens de Bécomo. Donc, euh, vous avez le lien ici pour rejoindre la réunion. Ce lien-là vous a été aussi envoyé par courriel dans vos courriels personnels. Donc, euh, vous cliquez sur le lien. Ça vous apporte ici sur Zoom et ça ouvre dans le fond le Zoom euh, Workplace euh, automatiquement parce que moi il est déjà installé sur mon poste. Donc euh, admettons que c'est le cas pour vous. Donc euh, ça s'ouvre ici. Vous voyez dans le fond que moi ma webcam a été détectée. Si ce n'est pas le cas, vous avez un écran noir. Vous pouvez venir ici dans la petite flèche et sélectionner dans le fond euh, votre, votre webcam, votre caméra jusqu'à temps que vous voyez dans le fond l'image. Et après ça, euh, pour la caméra, c'est réglé. Vous pouvez faire join ici. Et là, on se trouve ici dans le fond dans la salle d'attente en attendant que Jean-Pascal démarre le live, lui, de son côté. Donc en attendant, nous ce qu'on peut faire, c'est aller dans Test Speaker and Microphone pour euh, s'assurer dans le fond que vos haut-parleurs et que votre micro est bien fonctionnel. Donc vous cliquez là-dessus. Ça vous amène dans le menu ici. Donc vous avez Speaker ici, donc vos haut-parleurs. Vous pouvez faire un test en appuyant dessus sur le bouton ici. Donc si vous entendez un bruit, ça veut dire que vos haut-parleurs sont bien sélectionnés. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez venir dans le menu déroulant ici. Et euh, sélectionnez vos haut-parleurs euh, tout en faisant le fameux test ici pour s'assurer que vous entendez un bruit, euh, un son. Et par la suite, vous pouvez régler votre volume ici. La même chose pour le micro. Vous pouvez faire un test, euh, un test microphone ici et euh, parler, dire un 2-1-2. Un Puis par la suite, dans le fond, euh, vous allez entendre votre voix. Si c'est le cas, votre microphone est bien configuré. Sinon, le menu déroulant ici à côté, sélectionnez le bon micro et euh, vous pouvez refaire un test. Et par la suite, vous pouvez régler votre volume ici du micro, si trop fort ou pas assez fort. Donc, un coup que ça, c'est fait, là, on a notre vidéo et notre audio de fonctionnel. Donc, on peut cliquer sur X ici et attendre que Jean-Pascal démarre le live, tout simplement. Donc, je reviens pour ceux qui n'auraient pas cette boîte de dialogue-là qui s'ouvre. C'est parce que vous n'avez pas Zoom Workplace d'installer sur votre poste de travail. Donc, rien de compliqué. Tantôt, quand vous avez cliqué sur le lien, on est tombé sur cette page ici. Donc, vous pouvez venir sur Télécharger maintenant dans le fond euh, l'application Zoom Workplace. Donc, vous cliquez. Il y a un fichier qui s'ouvre ici euh, en haut à droite de votre écran. Vous pouvez cliquer dessus. Puis, dans le fond, l'installer, ça va s'installer automatiquement. Vous pouvez accepter tout. Et on revient dans le fond sur cette fameuse boîte euh, où ce qu'on voit, la caméra. Et par la suite, dans le fond, il va être installé sur votre poste de travail. Vous n'aurez plus besoin de recliquer sur ce lien-là euh, précédemment. Donc euh, voilà, j'espère que mon petit tutoriel vous aura aidé. Euh, si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous écrire par courriel. Et je vous souhaite une très belle rencontre Zoom avec Jean-Pascal. Merci.